C'est parti pour la 8e édition du Festival national des arts et de la culture, édition 2016. Cette grande messe artistique et culturelle a ouvert ses portes ce lundi 7 novembre 2016 au Musée national de Yaoundé. Pour cette première journée, l'esplanade du musée, qui a fait sa mue, a drainé du beau monde. Personnalités, acteurs culturels, artistes et fans, tous ont honoré ce grand rendez-vous. Cet événement placé sous le thème « Culture et émergence du Cameroun » intervient 8 ans après sa tenue à Maroua, région de l'extrême nord. Ainsi, il apparaît comme un moyen d'accompagnement des foules qui va drainer la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du 19 novembre au 3 décembre 2016. Comme le disait le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouelé Kombi, le 4 août dernier, date du lancement officiel de l'événement, la culture sera appelée à rendre hommage au sport qui lui-même est à vrai dire un événement d'expression culturelle. À cet effet, un ensemble de manifestations spécifiques à la canne féminine débuteront le 18 novembre à Limbé et Yaoundé. Elle s'achève le 25 novembre 2016 par l'exposition artistique et culturelle d'un pays à l'honneur. Il s'agit notamment des arts culinaires, des danses patrimoniales, des musiques modernes, de la mode patrimoniale, de la projection des films ethnographiques et des représentations théâtrales. La 3e édition du festival Liela Tatom Diab va se dérouler du 26 novembre au 4 décembre 2016 à Baham. Pour peaufiner les rouages du déroulement de ce festival, le comité d'organisation s'est réuni le samedi 5 novembre à la chefferie Baham. Le déroulé du programme a été huilé de l'ouverture à la clôture. Tous les aspects seront touchés. Sport, éducation, foire, musique, rite, artisanat, culture et autres. Toutes les couches de la population doivent se sentir concernés par cet événement qui met en valeur les us et coutumes ainsi que la solidarité légendaire et le côté astucieux du génie créatif du peuple Baham, comme l'a rappelé Sa Majesté le chef supérieur Baham. Les petits plans ont été mis dans les grands pour que cette célébration se déroule avec un plein succès pour le peuple Baham et que la culture et les atouts touristiques de ce groupement soient amplement valorisés et mis en exergue à l'avenir. Les 34 ans d'accession au pouvoir du chef de l'État camerounais Paul Biya ont été dignement commémorés ce 6 novembre 2016. Des militants et sympathisants du parti au flambeau l'ont célébré à travers tout le triangle national. Une célébration dominée par des meetings populaires à travers tout le pays, meublée par des conférences, débats, des activités sportives et culturelles, ainsi que des marches de soutien, est l'occasion pour certains de faire un bilan mitigé des 34 ans au pouvoir de Paul Biya. On se souvient, c'était en 6 novembre 1982 que le président Paul Biya a été investi à la magistrature suprême suite à la démission de l'ex-président Amadou Ahidjo. C'est alors que 34 ans plus tard, rassemblés par milliers pour la circonstance, lors de nombreux meetings organisés ci et là, à travers tout le pays, les militants et sympathisants du RDPC ont de manière unanime demandé au président de la République de bien vouloir accepter leur appel à candidature en se représentant à la prochaine élection. Ces derniers lui ont promis leur soutien inconditionnel en ce jour d'anniversaire. Que ce soit à Galim, à Babadjou, comme dans d'autres localités du département des Bambutos, où on peut l'extrapoler sur l'ensemble du triangle national camerounais, partout il y avait une section, partout il y avait des militants du RDPC, la célébration, l'an 34 du règne de Paul Biya à la tête de la magistrature suprême du Cameroun, a donné lieu à une liesse populaire. C'était le dimanche 6 novembre 2016. Venus d'horizons divers, les populations dans une ambiance festive soufflaient sur les bougies qui célèbrent les 34 ans à la tête de la magistrature suprême de l'homme qui, depuis 34 ans, bâtit patiemment la paix et construit le développement du Cameroun par le projet de grande réalisation dont l'ultime but est
d'atteindre l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Cette célébration a été l'occasion, par les discours, de rappeler les innombrables réalisations de l'homme du renouveau, comme l'a fait Wama Turin, par exemple, député et président de la section RDPC Bambuto Centre 2 à Babadjou. Par les chants et par des pas de danse, les militants des sections RDPC, OFRDPC, OGRDPC ont loué le président Paul Biya tout en l'encourageant à aller de l'avant dans ses actions et réalisations pour l'essor du Cameroun. Après l'accord de Paris sur les changements climatiques, le coup d'envoi de la COP 22 a été donné ce lundi 7 novembre à Marrakech, au Maroc. Donc, dès ce jour, jusqu'au 18 novembre 2016, le Maroc est la capitale mondiale du climat. Elle accueille cette grande messe mondiale qui devra concrétiser l'accord de Paris et mettre l'Afrique au centre de l'échiquier climatique. Il s'agit par ailleurs d'un tournant historique, car la première édition de la conférence des parties sur le climat avait eu lieu dans la même ville du Maroc. C'était en 2001. Une quarantaine de chefs d'État ont confirmé leur présence à cet événement mondial. Et sur les 40, on dénombre 26 présidents africains. Preuve que le continent sera maître d'œuvre de cette COP 22. Cette première semaine est réservée aux négociations des partis ventilés en 8 coalitions, partageant les mêmes préoccupations par rapport au climat. La deuxième semaine, quant à elle, sera plus décisive puisqu'elle doit marquer l'adoption des négociations par les délégations. Le 16 novembre, les présidents africains se réuniront en conclave sur invitation du roi Mohamed VI afin de se concerter sur les décisions engageant leur continent très vulnérable. Les sujets pour lesquels les pays africains attendent des actions sont la facilitation de l'accès des projets africains au financement prévu par l'accord de Paris, la réparation des dégâts occasionnés par le changement climatique, la problématique de l'électrification du continent et le transfert des technologies. La saison sportive qui s'est achevée, selon le bilan dressé par Achou Lawrence Achiri, délégué régional des sports et l'éducation physique de l'Ouest, a connu ses hauts et ses bas. En sport scolaire, l'Ouest s'est classé 3e au final national de la FENASCO Ligue B et 4e en Ligue A, organisée justement à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest. En football, Panthère de Baganté descend en Ligue 2, tandis que Feutieu, FC de Ndjiko Badjoun, monte en Ligue 1 pour équilibrer. On attend de savoir si cette fois, AS Menoua de Tchang va rejoindre Fofo de Baham en Ligue 2. Bamputos de Bouda, pour sa part, a échoué de décrocher la finale de la Coupe du Cameroun, comme Unisport Bafang qui loupe une place africaine en championnat. Les bonnes nouvelles sont plutôt et d'abord du côté du basketball avec Zumanto qui décroche le championnat dans plusieurs catégories, même si elle loupe d'un cheveu la finale de la Coupe du Cameroun en basketball. C'est juste les juniors dames de Bafang qui ont fait honneur au volleyball à l'Ouest Cameroun en décrochant le titre de champion du Cameroun. Quelques autres médailles ont fait bonne impression en athlétisme, mais pour l'essentiel des autres disciplines, les clubs de l'Ouest se sont contentés de participer ou d'être abonnés absents lorsqu'on n'arrivait pas à se trouver dans des ligues fonctionnelles. Illustration du fait que le sport qui veut s'imposer comme un ressort pour encourager le bon vers l'émergence du Cameroun a encore des efforts à fournir à l'Ouest Cameroun. C'est sur fond de tension que s'est tenu le conseil d'administration de la Panthère sportive d'Undé. En présence de 10 administrateurs sur les 12 que compte cet organe directeur de Nzumanto, le bilan de la saison écoulée a été passé au peigne fin. Dans un débat houleux, le directeur général Kavadjapa et le président du conseil d'administration Wanja Zakari n'ont pas pu convaincre le conseil sur les mobiles de la relégation de la Panthère sportive d'Undé. Outré par les propos de ses collaborateurs, Wanja Zakari a claqué la porte en plein conseil, tandis que Calvin Djapa a préféré déposer sa démission. Une démission qui a été adoptée par le conseil d'administration. Face à cette situation, un nouveau bureau a été proposé et adopté Helico Presto. Absente de ce conclave, Chantal Lewat a été portée au poste de président du conseil d'administration et l'ancien vice-président Raphaël Bichebeu et par ailleurs maire de Tonga
nommé comme directeur général. Avec un budget de près de 100 millions de francs CFA, la Panthère sportive d'Undé nourrit l'espoir de rejoindre l'élite. À cet effet, Ndanangono Stéphane et Monfia Iliassou s'occuperont de l'encadrement technique pour relever ce défi. Déterminé à rejoindre l'élite de la plus belle des manières, le nouveau bureau ne cache pas ses ambitions. Que tous les griefs qui ont été relevés font état de ce qu'il n'y avait pas toujours eu de rigueur. Il faudrait que nous apportions la gestion moderne au niveau, au niveau du club. Il faudrait également qu'on mobilise toute l'élite d'Undé et qu'on l'intéresse. En tant qu'administrateur, nous allons nous doter des moyens pour pouvoir réaliser ce budget afin que les joueurs n'aient qu'à jouer et que chacun soit à sa fonction. L'impulsion de cette nouvelle dynamique au sein de la Panthère sportive d'Undé a été saluée par les supporters qui avaient déserté les stades il y a belle lurette. Un relancement, nous appelons tous les supporters, fils et filles d'Undé, de remettre Panthère au niveau où la Panthère était. Et même tous les dirigeants qui étaient là, le linge sale se lave en famille, qu'ils ne partent pas et soient là. Nous, avec eux, on va contribuer pour la remontée de notre équipe. Avec cette nouvelle vision, la Panthère sportive New Look vise haut. Accompagner la Panthère, je profite pour demander pardon aux supporters parce que je me suis mise en veille, j'ai disparu des stades, je me suis cachée parce que j'avais l'impression qu'il y avait des personnes qui confondaient la Panthère avec Madame Courtès. Fragilisé depuis 4 saisons par les guerres de leadership, le navire Zumonto chavire progressivement. Avec ce nouveau bureau où règne la Proja, osons croire que l'Union Sacrée sera bientôt de retour derrière la Panthère sportive d'Undé. Quatre sorties, 3 victoires, 1 nul, les Lions préparent sérénement la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise. Sous une courbe croissante, les pouliches de Karl et Nongachou affûtent les armes. Face au Kenya, les Lions ont encaissé le 2e but dans cette phase de préparation en battant sur le fil 2-1 les Amarabe Starlet. Cette autre victoire à l'arraché remet au goût du jour l'instabilité de la ligne d'attaque des Lions indomptables qui a du mal à s'exprimer. En 4 matchs de préparation, les Lions ont inscrit 5 buts, mais des buts qui porte l'estampille de la défense. À quelques jours du kick-off, Karl Enongachou continue sa préparation. Avec le retour confirmé de Gaël Nganamuit, Abou Diongene, Chouta Diarra, Fallon Tcheno, les Lions sont sereines. Super favoris théoriques, les Lions ont déjà la pression du domicile. Les Camerounaises vont être confrontées à l'avantage, entre guillemets, de jouer à la maison, avec une énorme pression venant d'un public qui croit de manière erronée que jouer à la maison c'est déjà avoir gagné. En rodage au stade Amadou Ahidjo face au Kenya, les Lions ont été soumis à un test d'évaluation sous la pression du public. Face à cette adversité, elles ont fait parler le fighting spirit. En attendant la rencontre du 10 novembre prochain face à la Tanzanie, les Lions maintiennent le cap et ont renoué déjà avec les stades. Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, supporters in and out of the country have on Sunday, November 6, 2016, celebrated the 34th anniversary of President Paul Biya's ascension to power. 34 years after the advent of the national renewal, one thing is clear, the evolution of Cameroon under the leadership of President Paul Biya has not been plain sailing, given that the life of any human society is marked by ups and downs. Many disasters, including that of October 21st in Ezeka, those of Nyos and Sam, social tension generated by 2 decades of economic crisis, breach a thumb to the integrity of the national territory, including the attacks from the Boko Haram group, or institutions of the Republic deeply bruise Cameroonians. Thus, by these painful events, with some likely to destabilize the country and jeopardize its future, Cameroonians have always overpowered their differences and worked for peace and unity, making the country an exception in Africa's institution of stability, one which allowed President Paul Biya to continue to work to build a stronger, more united and cohesive nation. For a balance sheet, the man of November 6, 1982 abolished emergency laws, consecrated freedom and restored multi-party politics.
The basic law was amended to adapt to the new political situation, which helped to establish new institutions that strengthen the rule of law, including the Accounts Chamber and the Senate. Administratively, the decentralization process called for by Cameroonians is on track, although it is yet to be perfected. Elections formally organized by the government and WHO were constantly causing deep division amongst Cameroonians, were entrusted to Elections Cameroon, which still tries to make it more transparent through the introduction of biometrics in the registration process. As concerns the economy, Cameroon, 2 decades after the economic crisis, managed to successively reach the decision point and the completion point of the highly indebted poor country. To capitalize these gains, the head of state established a greater achievement policy, which he later changed to major accomplishment, materialized on field through the several infrastructural development projects. 34 years after his ascension to the highest office, President Paul Biya's drive remains intact despite a few hiccups. CPDA militants in the Bambuto's division have joined other supporters of the ruling party throughout the national territory to celebrate President Paul Biya's 34th anniversary in power. November 6 celebrations in Babaju brought together all sections and subsections of the party in the subdivision. Militants galvanized at the Babaju ceremony ground to acknowledge and swear allegiance to the head of state. The women's section of the party, led by their president, thanked President Paul Biya for his effort in promoting parity within the party and the national political landscape at large. They also gave merit to the president for the organization of the 2016 Women African Cup of Nations. Not too far, in the Galim subdivision, festivities were chaired by the SDO of the locality, Evung Daniel. According to the ruling party supporters in this part of the country, the CPDM under the new dispensation has become more democratic, with militants at liberty to express themselves. The Galimwise CPDM president praised the ever-present peace Cameroon is enjoying thanks to the 34 years leadership of President Paul Biya. He enjoined supporters to chip in their own contributions in preserving this current state of affairs. As a sign of commitment after festivities, a grand march pass of allegiance to the regime in power ended the day in the Bambutos. Cameroon's Festival of Arts and Culture, FENAC 2016, has officially opened this November 7, 2016 in Yaoundé, and we run till the 13th of this month. As appetizer, a show of Cameroonian heritage took place on Saturday. It saw a spread of Cameroonian culture with originality, described by organizers as an epic journey through time. The event at Cameroon's Cultural Center was crowded with people, more than usual, who welcomed the provision-tinted artistic tradition with Art and Culture Minister Professor Narcisse Mwelekombi at the first rank. The tales and legends of the four cultural areas of Cameroon were portrayed through the masters of the epic world to trace the history and maintain the idea of solidarity. From this taste of Cameroon's cultural heritage, lovers of art and culture have today inaugurated the FENAC 2016 village at the National Museum in Yaoundé. The 22nd United Nations Climate Change Conference, COP22, opened this Monday, November 7, 2016 in Marrakech, Morocco, with several environmentalists citing the need for global leaders to act now in implementing the agenda to mitigate climate alteration. Their meeting, scheduled to run from today through November 18, brings together hundreds of global leaders to deliberate on the way forward regarding the implementation of the Paris Agreement on Climate Change
as well as the recently adopted Kigali Amendment to the Montreal Protocol. President Paul Kagame of Rwanda led his delegation to the event. The country focused its intervention on how to implement the Paris Agreement and meet its crucial goal. Last week, the Paris Agreement entered into force after the ratification by a required quorum of countries representing at least 55% of the global greenhouse gas emission. It is expected to help the world limit global temperature rises to no more than 2 degrees Celsius. Experts see this week's meeting in Marrakech will seek specific policies that individual nations can adopt to reduce emission faster and more than pledged. COP22 will also involve the Sustainable Innovation Forum 2016, aimed at facilitating partnership between businesses, government, the UN and NGOs to accelerate climate change solutions and bring scale to low-carbon innovation. Now in its 7th year, the Sustainable Innovation Forum 2016 is the largest business-focused forum at COP22 produced by Climate Action with official endorsement from the Moroccan government and in partnership with the UN Environment Programme. The Lionesses of Cameroon have defeated Kenya's Harambee Starlets 2-1 in build-up at the Limba Omnisports Stadium on Sunday, November 6, 2016. A penalty from Michel Ngonomani, an own goal by goalkeeper Samantha Akinye, granted the Lionesses a 2-1 home victory at Limba's 20,000-seater stadium. Ngono scored this opening goal through a well-converted penalty after Elizabeth Ambongo brought down Kanda Agnes in the forbidden area. Christine Nafula volleyed home Carolina Nyango's teasing cross 6 minutes into the second half for the equalizer. With 19 minutes to the end of the game, Akinyi conceded an own goal that gave the host the deserved victory. Cameroon, it should be noted, will host the Female African Cup of Nations in less than 12 days.